Je parle à mon père. Ah mais ok. Je parle à mon père et en fait, quand on parle de Samus, T hoche la tête et dit trash. Il dit en mode... Ça on en reparlera. En tous les cas, tu avais bel et bien raison mon cher étoile, puisque malheureusement, vêtu d'or, il est ici, c'est le Kazuya, celui qui en une touche pourrait te tuer. Oh. Et d'ailleurs la touche a été trouvée, ce que ça suffira à trouver un 0 to death. Pas tout à fait, mais 96% c'est honnête. C'est très très honnête. Et là, on va directement enchaîner avec cette électrique, ce dopé. Franchement, avec cette musique super groovy, c'est trop frustrant pour Sisk qui te prend trop cher. Ouais, vraiment. On dirait qu'il est en train de danser avec. Oh là là, oh là là, ça fait. Et Sisk qui regarde le public et qui fait. Il a failli le refaire, mais quel gamin. En plus, il est taquin, il est malicieux, tu vois. Et ça se voit dans son plan de jeu, c'est électrique. Trop marrant. Électrique. Oh là là, gamin. Oh le fou. On va jouer contre Bloom qui jouait Samus pour que Bloom entre guillemets chauffe T. Et en fait, regarde, est-ce que Sisk va surprendre avec ce Snake? Snake qu'on n'a pas trop l'habitude de le voir à top level en vrai. Qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, mais je trouve que c'est très smart en vrai ce qu'il a fait. Et ça tue. Là ça tue évidemment. Parce que le truc en fait c'est que c'est 4. Attends, mais il y a de la sauce dans ce Snake. Là il y avait un truc. Oh là il y avait un truc, je suis d'accord. Ça tue pas. Très bonne DI hein. De la part de Sisk. Non, mais bien. Bon, s'il était mort à 80, j'aurais tout cassé. Électrique placé de la part de T. On rappelle, hein, électrique qui est un coup invincible. C'est quoi ce truc? Ça, par contre, évidemment, hein, le wave dash, on avait un avantage et un bel avantage. Et maintenant, on est derrière, loin derrière. Et c'est un petit peu dommage pour eh bien, pour Sisk, si le shield est relativement solide. Tu vois, on respecte un peu justement les déplacements de T. On fait attention. On essaie de faire un mur de grenade, mais. Cette dash attaque, on en parlait, qui peut contrer la ceinture en surprise. Le bon team, malheureusement, pour le moment, on peut pas vraiment tirer quelque chose. On est plutôt coincé. T qui respecte énormément en plus de ça. Et bien, les distances contre Snake, ça peut être très dangereux. Une fois, une erreur. Oh allez, là, cette erreur, malheureusement, cette dash attaque ici qui. Oh, que oui. Ah, ça, c'est. Ça, c'est l'idée que c'était. Et on retourne sur le pic de cœur. Attention, cette fois-ci, ce n'est pas la Dark Samus. C'est la Samus. C'est la meilleure. Pas tant de différence que ça. Ah, mais c'était beau, hein. En vérité, tu as ce petit jeu de timing, etc. Quand est-ce qu'il tire. Et là, c'est bien, c'est les pourcentages qu'on peut gratter. 13 et c'est. Oh oh, ça. Gates of Hell. Gates of Hell, bien évidemment que ça tue. Pille un petit peu trop dans le territoire de la Samus. C'est là où elle est très forte, Samus. C'est une forteresse mobile. Tu ne peux pas rentrer dans son territoire normalement. Par contre, quand t'es dedans. Quand t'es dedans, malheureusement, c'est un peu plus délicat. En vrai, c'est bien ce qu'il fait. Hein. C'est très bien ce qu'il fait. Il arrête drive, il arrête drive, mec. Il arrête drive. Ouais, mais il a le contrôle. Oh, il avait un kill là-dessus. Quel dommage. Quel dommage. Il avait créé son occasion. Le désavantage de T. Qui air dodge et qui passe à travers tous les kill moves de Sisk, c'est tellement chaud. Là on sait ce que l'erreur. Mais pourquoi cette dash attaque? L'erreur de Sisk. Pourquoi cette dash attaque comme le match précédent? Pourquoi on craque? Sisk qui craque. Pourquoi on craque? Il est tellement ticket, j'adore. C'est pour moi. Messieurs dames, la winners finale de cette UEFA 2022. Kazuya Mishima. Ça va être. Les cas sur Smashville, ça va être une boucherie. Je pense que le set va durer 5 minutes. Oh non. En direct. En direct. On va devoir reset. Bon. Alors sur Smashville, on l'a pas dit, mais Kazuya il se régale. Hein. Mais aussi Donkey Kong, il faut le dire. C'est petit, il y a de la place. Et là, ça fait mal, surtout. 71%, ne vous faites pas avoir. Ils sont très bas. Parce qu'il le sait, Kazuya. Si on peut le chercher. Il a toujours l'avantage. Down B, Hikaru, a une longueur d'avance. Il est en train de traîner dans la boue son homologue japonais. Depuis 30 secondes. Alors qu'il joue Donkey Kong. Quel est ce joueur? On a tellement poussé cette phase d'avantage, on a été tellement patient. Et là, on retourne au paquet. On attrape le saut, on descend très profondément avec l'homologue japonais. Tente le down air, ça touche pas, mais il a toujours l'avantage positionnel, le joueur de Donkey Kong. C'est Wati Baker. Il se régale. Il se régale. Oh là là. Small BF, mesdames et messieurs. What a dangery. Light run qui est positionné, on se loop sur le up tilt et désormais nous avons. Ah, les frame freeze. Ça va coûter cher, les frame freeze sur light run. Du coup, la cloche et du coup, c'est magnifique. C'est magnifique, on a été bien passé. La cloche, ça va être compliqué pour revenir du côté de Chi. On utilise un wall jump, c'est très bien joué, mais c'est pas grave. Du coup, le up tilt qui a été buff, qui est en train de mener la visure à Chi. C'est tellement compliqué pour lui. En out of shield, c'est complexe. Hein. Cela dit, pour Hikaru, out of shield, il. Packer. Oh, shield release, left tilt, Packer ici, il plonge, voilà, il force le double saut, l'hélico donc. Par contre. Ça tech pas. Eh ben, il a pris le risque et il assume jusqu'au bout. Mais Hikaru, regardez comment il est. Oh, regardez comment il en profite. Il se dit, mais attendez, chasse. C'est peut-être pas à moi de te chasser. Ok, t'as pris la stock, mais je m'appelle Donkey Kong. Donc ça veut dire quand même que je peux avoir un potentiel de combat quand même relativement cool. Mais on a les rides. Repère, on a les rides. On a les rides. On extend. Repère qui touche pas. Pour l'instant, de la part de T qui a le lead, mais. Qu'est-ce que c'est le lead contre Hikaru? Qu'est-ce que c'est le lead contre Hikaru? Aïe ya! Là donc. Oh là 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 là, ça va être compliqué de revenir. Oh! Oh! Un
incroyable. 7 actuellement à 2-7 gagné contre Ti. Ti à 3-7 gagné contre Hikaru. Mais les deux derniers sets, c'est Hikaru qui avait gagné. C'est Hikaru qui avait gagné les deux derniers mais sets. Mais je veux pas réviser parce que c'est toujours inconstant. Il n'y a pas de règle générale. Jab, jab. Jab, jab, ouais. Jab, jab, bien trouvé. Allez, grabe-moi ça. Est-ce qu'il va graber ça, Hikaru? Grabe-moi ça. F-Tilt qui connecte. Oh, la cloche qui est récupérée, c'est très bien vu de la part de Ti. Oh non, il sera, oh, il sera deux fois. Il sera trois fois. Oh, le mixeur. Mais Ti, lui, par contre, ne sera jamais sur ce Zidran. Mais en même temps, donc, qu'elle a l'air d'avoir la possession de ses moyens, mais il a plus beaucoup de ressources. Il est mort. Donc, du coup, il est mort. Il est mort. Oh, que oui. La cargo throw. Into F-throw. Ça fait très, très mal. Et Hikaru qui est la surprise de ce tournoi pour l'instant. Même si on sait, on okay. 141. Oh, c'était absolument pas serré. C'est si serré, tu as une punch consommée. Turner ici, il est toujours sur cette plateforme. Hikaru le sait. Malheureusement, il a été éjecté. Oh là là, Tik, il le sait. Il a peut-être un boulevard devant lui, il va s'en saisir. Ça ne tue pas. Ça mange bien la cantine. Tonti Kong, l'origine à base de bananes. Le potassium a été ingéré par l'organisme. Est-ce que le clutch factor. Est-ce que le clutch factor d'Hikaru. Ça ferait stream sur le génération du neutral B. T'as vu ton perso, comme il est bizarre. Ça tue. Ça prend la stock, 2-1. Oh là là, qu'est-ce que c'était serré. Regardez comment... C'est pas un Sephiroth, c'est pas un héros. Non, un Roy. Non, DK. Il a confiance en son perso. Le F-Tilt qui est parfaitement utilisé. C'est mort. Et il est mort. Oh, il est mort. Squeeze like a lemon. Oh que oui. Il l'a pressé. Il l'a compressé, cette boule jaune. Oh, incroyable, le drift. On a voulu faire plus de pommel, mais... On mâche, tu connais de Karou ? La pomme. Oh que oui. Oh que oui, la pomme à partir de 160%. Il ne veut pas ralentir Hikaru. Et là pour l'instant, toujours cette up-tilt intangible. Toujours ce magnet. Oh, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il meurt pour ça ! Il décide de faire ce fond il à l'air. Meurt pour ça. 200 sur le compteur de la SLR. Oh attention, le nerf, le back-air. Le back-air, est-ce que Hikaru vient de trop ce set ? Il a peut-être trop. Regarde, désavantage. Le désavantage d'Hikaru. Mais il a encore envie. Lightrun ici pour reset. La situation, 123%, oh, il le sait, il est au bord de la mort. La cloche, il la récupère. Récupère. C'est fou, il récupère toutes les cloches de Notre-Dame. Oh, qu'est-ce que c'est que le coupeau. Il a tiré avec le backer. Hikaru est un génie. C'est un truc de fou. Est-ce qu'il va avoir le 2-2? 134%, il a beaucoup de rage. Il a tiré une flèche. Toutes les ressources sont là. Toutes les ressources sont là pour Hikaru. Backer en lecture. Du son ici, il va la commander deep. Il prend tous les risques. Il a pas attaqué ici, mais il prend tous les risques. Tu t'en réponds de ma gueule. Tu le coupeau de Ti. De ma gueule. C'est quoi? Qu'est-ce que c'était? Quel set? Et Ti est en grande finale winner side. Et on connaît. Est-ce que je peux avoir un tonnerre d'applaudissements pour Ti? C'est Ti! Oh que oui, c'est Ti! Le pas est assuré. C'est... Ti va échouer deux reprises, cette fois-ci c'est peut-être la bonne, messieurs dames, la grande finale, Ultimate Fighting Arena 2022. On va dire, en grande finale UEFA 2022, il s'agirait quand même de grandir. Bon bah au bout d'un moment, voilà, qu'on donne les armes, qu'on se donne les armes. Par contre là-dessus, on a plutôt donné l'arme à Ti, justement, encore une fois, avec cette moto, on l'envoie bien à droite. Tu ne pourras... Fais ce que tu veux de moi, j'ai pas de soucis, hein. Bah, alors là... Joue avec mon cerveau comme tu l'entends, ça y a pas de soucis, mais en tout cas c'était super osé, hein, ce dernier, hein. Je tiens à dire, la cloche est en main, c'est la mort, aïe. Ils ok, ah bah, ouais. Ils sont véritablement. Tant pis, ça ne fait rien. Mais là maintenant, Ledge Guard peut-être qui pourrait bien en conclure. Attention, Ti, 93% sur Wario, ça peut tout de même partir très vite. Mais par contre, c'est air dodge. Tu vas air dodge là. Les immenses starts. Mais en tout cas, c'est l'occasion de tester. Et il prend le test. Il prend le pari. Est-ce que c'est mieux que Pac-Man? Et voilà. Il a bien mangé. On le sait tous. Il est allé au food truck de cette UFA, le bon Gluttony, ce bon. C'est tellement couillu ce forward tilt. Hein. Oui. Ce forward tilt était mais catastrophiquement risqué. En vrai, mix-up. Depuis tout à l'heure, justement, il n'arrête pas forcément les avancées. Et là, pour le coup, depuis tout à l'heure, il fuit. Mix-up, il décide d'arrêter justement. Fin de fuite et il arrête le mouvement. Pourquoi pas? On accepte. On accepte. Alors, là c'est parti. L'extension plateforme pour l'instant qui passe par. Oh, évitez la dash grab, c'est bien fait. Pour Gluttony, on a toujours le waft disponible. Le neutral R1 malheureusement qui ne permettra pas d'aller jusqu'à la suite de la route de combo. Oh, ça c'est les moments. Ça c'est les problèmes. Oh. Il paraît l'électrique. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de pour Ti. On vient de commencer le set avec un lead de 2-0. Il reprend Kazuya, il a raison.
ça t'épuise, hein, qu'on le veuille ou non, ça t'épuise énormément. Quand il fait 67 000 électriques comme ça, et que t'es en mode, mais qu'est-ce que je dois faire ? Et que là, t'es en train de te faire 0 to death, parce que lui, il a eu le bon choix de prendre Kazuya sur le CSS, et bien malheureusement, ça veut dire que tu vas devoir lutter encore un petit peu, mon cher Gluttony, pour aller jusqu'au 3-0. Thi est encore en place, il n'a subi que 11%. Ouais bah clairement ça fait mal quoi, clairement c'est brutal, mais bon, un prêté pour un rendu comme dirait l'autre, on a quand même un petit 48%, on est offstage et on avait un couteau tout à l'heure qui n'était véritablement pas très loin de trouver un edgeguard, il pourrait très bien le trouver maintenant que c'est pas aussi tendu que tout à l'heure. Et là d'ailleurs il attend sur cette recolo, mais magnifique drift de la part de Thi qui va les trade, 7 stocks, Teki s'est upé et survivre, 3 stocks à 1. Voilà que la game est lancée, on a le timing de WAF. Si jamais il est capable de 3 stocks comeback, le Kazuya de Thi pour reset cette grande finale. Il est mort. Je remets ton costume. Dieu merci, c'est pas arrivé. Tant pis. Santé mentale de l'adversaire en face en même temps quand tu joues Kazuya. Ta santé mentale est au plus bas, ça va sans dire. Évidemment. Bien, de le perdre, son utilisation est limitée. Ses nombres de tentatives est limité à chaque stock. Absolument. Oh, bien joué, hein, le jab ici. Il retrouve la voie avec le rare backer ici. Vers l'intérieur, lire cette roulade, bien ça avec un fort à tilt, on est très 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 clean. Et par contre le shield, véritablement le couteau est très solide également. Si on voit très peu aller sur les shops. Unless it is le rage drive là-bas. On peut voir ça. Attention, on a le P évidemment, sauf que c'est la même situation que la game précédente. Qui a l'ouverture en premier? Qui peut mettre le P? Qui peut mettre l'électrique? Grosso modo, c'est un peu ça en fait. On va se ficher, on l'a whiffé, on l'a puni. Un air, un deuxième, malheureusement, non, on n'ira pas suffisamment loin. Tu vas se prendre, ça va être électrique. Attention, c'est le moment de dire. Aïe, c'est une game 5! Pour deux de Paris, Aubervilliers pour cette UEFA 2022. Gluttony dos au mur, c'était pas la première, c'est la 3. Even pour cent avec up tilt, up air. Attention, voilà, il aime beaucoup atterrir avec une option offensive. Hein. Thi là-dessus, et Gluttony qui a repéré le pattern, il prend ses distances. Hein. T'as vu comment il a pas envie de se confronter. En fait, le truc, c'est que. Attention, dommage. Le truc, c'est que Gluttony, quel que soit le match, cherche. Deuxième fois que ça se passe, un seul chomp sur la plateforme gauche. Oh oh. Thi qui est peut-être un peu trop mijoré, pardonnez-moi, j'allais dire mijoté, mais ça n'a rien à voir. Par contre, ce qui mijote, c'est un combo. Ton seul Kazuya, le secret. On s'en sait. Pas mal, énorme même, mais bon, on survit. C'est pas un électrique, c'est les bonnes nouvelles. On est coincé ici à l'aide, tu l'as dit, on reprend les distances, on a peur un peu, on essaie de le payer. Il a retenté, il a marché, il a littéralement mordu. C'est parti, on parle pas de Gluttony, mais bel et bien de Thi. Encore une fois, il va mordre, on se prend un deuxième backer ici. Et Gluttony pourrait peut-être réégaliser au nombre de stocks et peut-être ramener cette situation positionnée en une dernière stock. Oh là là, c'est tellement dangereux. La moto est professionnelle, regardez Thi qui prend toutes ses aises. Offstage, il a rien à faire. Thi a pris toutes ses aises offstage parce qu'il sait qu'il est invincible. Et que c'est pas aujourd'hui que Thi laissera tomber une grande finale en Europe et encore moins en France. Messieurs, dames, Thi! Quel travail! On attendait toutes et tous. Après sa victoire à l'Odyssée, après avoir cassé moult bouches à l'international, c'est évidemment le champion de l'UFA!